Valérie Giscard d'Estaing est notre invité. Merci, Monsieur le Président, d'être notre invité aujourd'hui de l'Académie française. Bien sûr, on va parler de votre nouveau roman, Mathilda, publié chez XO Éditions. Ce souffle romanesque qui va nous amener en Afrique. Je voudrais quand même dire un mot sur l'Europe aujourd'hui. Parce que là, on n'est pas dans le romanesque, on est dans une crise avec la perte notamment des trois pour 9 pays de la zone euro, et en particulier de la France, qui fait craindre le pire. Vous êtes aussi créatif que ça. Écoutez, moi je suis venu vous parler de littérature. C'est un beau sujet, c'est un sujet français d'ailleurs. La crise, elle continue. Ces histoires de notation ne sont pas très importantes. Ces agences de notation ne savent pas noter les États. Elles ne sont pas faites pour ça. Qu'est-ce que c'est que ces agences, hein? Ça a été inventé parce que quand vous voulez investir, quand une caisse de retraite veut investir, elle place son argent dans une entreprise, dans les émissions d'une entreprise. Elle ne connaît pas l'entreprise. C'est difficile. Donc, il y a des agences qui disent « Oui, cette entreprise-là est bonne, sa situation est saine, elle a un avenir, on lui met une note. Bon. » Mais ils notent les entreprises. Ils n'ont jamais noté les États. Les gens qui font ça sont des gens qui sortent des business schools américaines. Bon, ils n'ont jamais entendu parler beaucoup de l'Europe, peu de la France. Et ils ne savent pas du tout ce que nous sommes et ce que nous avons été. Oui. Le fait que la France a toujours payé sa dette, parce qu'en principe, c'est pour que les gens qui ont peur pour la France a toujours payé sa dette. Après la guerre de 70, où la France est occupée, pas par l'Allemagne, par la Prusse d'ailleurs, en quelques mois, la France a payé toutes ses dettes. Oui. Ça veut dire qu'il ne faudra pas 10 ans pour s'en remettre, comme on le dit aujourd'hui ? Pas du tout. D'abord, il ne se passe rien. La bourse française d'hier a monté, elle n'a pas descendu. On annonce les chiffres, normalement, ça devait descendre, ça monte. Bon, non, ça n'est pas sérieux. Il y a trois agences de notation. On a une qui est donnée à la France et aux autres pays européens, d'ailleurs, une mauvaise note. Les deux autres ont dit non, nous gardons nos notes. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de calme. Mais ça peut avoir des conséquences sur la campagne électorale. Ah, c'est autre chose. Je ne suis pas là pour vous parler de campagne électorale. Je suis là pour vous parler de Mathilda. Voilà. Alors, Mathilda, c'est votre roman, Valérie Giscard d'Estaing. Quand je disais c'est un roman avec un souffle romanesque incroyable, c'est que nous sommes plongés à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, en Afrique, en Namibie plus exactement. Et vous allez plonger à la recherche du parcours d'un personnage de femme, Mathilda en l'occurrence, dont vous avez un jour découvert l'existence par une tombe qui existe vraiment. Cette tombe existe tout à fait. Quand je l'ai découverte, elle était... Enfin, les tombes, c'est toujours abandonné un petit peu. Elle était abandonnée depuis longtemps, pas entretenue. Elle est en pleine brousse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitation à moins de dizaines de kilomètres. Hein. Et il n'y a pas de ville à moins de 40 kilomètres. Qui était cette Mathilda? Et sa tombe est une jolie tombe avec un petit grillage autour. Et donc, je me suis arrêté, je voulais voir qu'est-ce que c'était. Il y a une inscription. Il a marqué un nom, né le temps, morte le temps, pensez à elle, enfin, aidez-la. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors j'ai cherché à me renseigner un peu, j'ai vu ce qu'était l'époque, c'est-à-dire qu'elle a vécu pendant la guerre, la dernière guerre, elle s'est mariée juste avant la dernière guerre, elle est morte juste après. Pourquoi est-elle morte? Comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et dans ce pays qui est un pays magnifique, où le soleil brille tout le temps, où le ciel est bleu, où on n'entend pas de bruit, où il n'y a pas d'éclat de violence, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce que je vais vous raconter. Et là, c'est votre imagination. Parce que, évidemment, il faut reconstituer ce parcours, cette famille d'Allemands, comme ça, qui ont une grande propriété, l'appel de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, son frère qui va aller au combat, qui n'en reviendra pas. Elle va épouser un homme qui lui-même aura l'appel de l'histoire. Voilà. Si vous voulez, c'est une région très curieuse. C'est le sud, ouest de l'Afrique. Vous avez l'Afrique du Sud, la pointe que tout le monde connaît. Et puis sur le côté, en remontant, vous avez ce qui a été une colonie allemande, qu'on appelait autrefois le sud-ouest africain allemand. Et ça a été conquis par les Allemands très tard. Ça a été conquis au début du XXe siècle, enfin en 1898 à peu près, par l'armée allemande, parce que les Allemands voulaient avoir un empire colonial qu'ils n'avaient pas. Les Anglais en avaient un immense, les Français en avaient un très grand, les Allemands n'en avaient pas. Alors ils ont conquis la Namibie, ça a été assez dur,
Ils ont perdu 5000 hommes, donc dans des combats avec des tribus, hein, assez durs, et puis ils sont installés. Et ils en ont fait une colonie allemande. Ce qui fait que c'est très curieux pour nous, parce que quand nous circulons en Afrique, on est habitué à parler français dans l'Ouest, ou en tout cas à entendre parler français, habitué à parler anglais dans l'Est et dans le Sud, et puis là, on parle allemand. La radio, c'est en allemand, les journaux hebdomadaires sont écrits en allemand, et ainsi de suite. Et c'est un très très beau pays que d'ailleurs des acteurs et des actrices de cinéma ont rendu célèbre récemment. Ouais. J'ai pensé à ça parce qu'évidemment c'est un livre qui pourrait s'adapter au cinéma, comme une sorte d'épopée, parce qu'évidemment ce personnage féminin, on ne va pas raconter l'histoire, mais bon, elle va tomber enceinte. Il y a effectivement un destin tragique derrière tout ça, mais un destin de femme. Un destin amoureux aussi, parce qu'il y a de la passion. Alors c'est assez curieux, enfin bon, c'est de l'imagination naturellement. Non, elle n'est pas tellement amoureuse. C'est un caractère plutôt germanique. C'est-à-dire, c'est une personne qui est raisonnable, qui est très belle, qui est superbe, absolument. Elle pourrait, je le dis dans le livre d'ailleurs, tourner dans tous les grands films. C'est absolument magnifique. Elle est raisonnable. Elle vit très seule parce qu'ils habitent une ferme où il y a juste sa famille, son père, sa mère, son frère et elle. Ils sont quatre. Hein. Ils parlent allemand et tout autour, c'est un milieu africain. Avec lequel ils communiquent très peu, parce que la langue n'est pas du tout la même. Ce sont des gens qui travaillent à la ferme, qui appartiennent d'ailleurs à des tribus, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des groupes différents, qui sont des tribus d'ailleurs, avec des personnalités fortes, les Ovambo au nord, les Herrera à côté. Elle vit là, et sa vie s'annonce comme très heureuse. Elle a un ami de son frère qui tombe amoureux d'elle, donc ils vont se marier, ils vivront dans la ferme, etc. Et puis il y a le tonnerre de la guerre, c'est-à-dire qu'il éclate de très loin, parce qu'il ne se passe rien, naturellement. Mais ils entendent ça, et c'est les Allemands, enfin les jeunes Allemands discutent beaucoup entre eux. Et ils décident qu'il faut qu'ils rejoignent la mère patrie. Ce qui est d'ailleurs très compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Hein. Parce que l'Afrique du Sud est pro-alliée, pro-britannique, donc l'Afrique du Sud. À côté, il y a l'Angola. Alors, ils vont en Angola, ils prennent des bateaux pour Lisbonne, ainsi de suite, ils essaient d'arriver en Europe. Et puis ils partent. Et donc cette jeune femme reste seule et il lui arrive un drame. Oui, c'est évidemment le cœur de ce livre. Cet aspect romanesque des choses, au-delà de la passion que vous avez toujours eue pour l'Afrique, c'est aussi finalement aller au cœur finalement de l'âme humaine, c'est-à-dire de la passion rencontrant l'histoire. De l'âme humaine, c'est-à-dire de l'événement qui désorganise et parfois détruit la vie, hein. Parce que la vie, c'est assez linéaire, en gros. Il y a la jeunesse, l'adolescence, le travail, la retraite, etc. C'est une espèce de ligne. Et dans beaucoup de vies, dans cette vie-là, tout à coup, il y a un événement fort qui détruit la vie. D'ailleurs, beaucoup de romans que les gens aiment sont des histoires comme ça. Hein, c'est-à-dire des hommes, parfois, des femmes plus souvent, dont on se dit qu'ils vont avoir une vie heureuse. Ils ont toutes les chances d'avoir une vie heureuse. Puis tout à coup, quelque chose arrive de l'extérieur qui les détruit. Valéry Giscard d'Estaing, ça commence et ça finit par cette tombe, comme ça, vous le disiez, un peu perdue. Est-ce que finalement, pour une vie, c'est important le lieu où on va vivre, enfin, où l'on va être enterré un jour? Parce que je crois que vous-même, vous vous êtes inquiété de savoir où vous alliez reposer. Non, je ne suis pas inquiété, tout ça est tout à fait normal. Non, il y a actuellement, vous avez un débat qui est l'incinération ou l'enterrement. Et étant donné l'augmentation de la population humaine, les espaces relativement réduits dont on dispose, il y a beaucoup de gens qui, au fond, choisissent de se faire incinérer, réduire en cendres. Mais vous avez en même temps la grande culture occidentale, qui remonte très loin et qui est basique, et qui comporte les tombes. Par exemple, à l'heure actuelle, c'est l'exposition au Louvre, qui est une exposition centrée sur la recherche de la tombe d'Alexandre. Parce qu'on ne la connaît pas, le grand Alexandre qui a fait ses conquêtes en Asie, on ne sait pas où il est enterré. Mais il est enterré quelque part. Son père, son grand-père sont enterrés, on connaît les tombeaux. Donc il y avait cette idée dans la culture occidentale qu'on conservait, en fait, les corps, avec peut-être l'idée qu'un jour, on les ressusciterait. En tout cas, on les conservait avec cette idée. Et le tombeau de cette Mathilde-là, c'est ça, c'est la culture germanique traditionnelle. Oui, mais
il y a eu une discussion, vous aviez vous-même souhaité, vous avez acheté un terrain pour être enterré. Écoutez, ne vous attardez pas à ces histoires-là, c'est des choses totalement personnelles, qui n'ont aucune dimension. Mais c'est important quand même de savoir où on va reposer. Ben, c'est important dans une certaine mesure, parce que c'est de savoir s'il y a une continuité. Parce que vous avez vos parents, je ne vous interroge pas d'ailleurs, qui sont quelque part, hein, vos grands-parents qui sont quelque part. Donc la continuité, c'est de savoir si soi-même, on va suivre cette ligne ou non. C'est des problèmes, ce sont des problèmes administratifs et matériels qui ne concernent que soi-même. Merci Valérie Giscard d'Estaing. Mathilda, donc votre nouveau roman est publié chez Ixo et c'est un de vos plus beaux livres, il faut le dire. Emporté par le souffle romanesque, Valéry Giscard d'Estaing de l'Académie française. Alors, je l'ai fait exprès court, parce que j'aime bien les romans courts. Et c'est volontaire, enfin, parce qu'on peut toujours délayer les détails, les descriptions, on peut toujours, naturellement, non. Et j'ai enlevé tous les mots qui ne veulent rien dire, les mots plats, faire, aller, dire, répondre, pas ces mots-là. Enfin, chacun des mots veut dire quelque chose. Merci, Valéry Giscard d'Estaing.